Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc c'est parti pour la manche 3. Bon bah comme vous avez pu voir la manche 2, bah je l'ai gagné en fait, il était absent. Donc du coup bah c'est parti, on va voir ça ensemble, voir à quel point on va monter ou pas, et puis voilà. À quel point on va pouvoir faire des choses aussi. Donc je me bats contre quelqu'un qui s'appelle Kylo Ren, à mon avis bah il a SLKR, voyez-vous quoi, ouais. Sauf qu'il l'a pas. Si, il l'a relique, mais il a pas son ulti. Il a Finalizer, ok. Donc il a les trucs de base, les un Revan, Céleste. Il a l'autre Revan, mais pas relique. Donc il a les. Ancienne République, il a les. Les premières armes normales. Chasseur de primes, il en a un. Il a aussi Wampa. Ah, il a pris des packs. Ok. Ok. Il a ses 3 PO. Il a pris pack Radius, Résistance. Radius, Résistance et. JTR, je crois. Sinon, ok. Ah bah il a pris aussi Palpatrone. Ok. Tu vois en vaisseau. Donc ouais, il y a bien le Radius, hein, on voit les Ebon Hawk. Ebon Hawk qui est un vaisseau à part entière est vraiment cool, je trouve. Pas assez cool pour le faire tôt. Mais qui est très sympa à avoir en renfort. Bon, il a l'air de partir quand même sur de la résistance. Hein, on va pas se mentir. Ah, mais non, c'est vrai qu'il avait. C'est vrai qu'il a acheté le pack. Ok. Bon, après en vaisseau, c'est pas trop ça. Ok. Bon. Bah voyons voir un peu tout ça. FO ancienne, et on va, ok. Alors là, le problème, c'est la FO. Bon, elle a pas son Omicron, mais le pilote là, et ça me fait un peu peur. Ça me fait moins peur que s'il fasse mal avec, mais voilà, c'est un peu chiant. Est-ce que je peux pas la retrouver dans les counters? Voyons voir. Phasma, il y a pas Phasma, elle est si peu jouée que ça. Il semblait que c'était une team facile à avoir et à monter, donc beaucoup de personnes l'auraient, mais apparemment ça a pas l'air d'être le cas. Ou alors je l'ai passé. Ce qui a l'air d'être le cas. Je vois des exécuteurs du premier rang. Non mais attends, face-moi, elle est... Ok, j'ai dû la skip. J'ai dû la skip. Ou alors elle est pas du tout jouée en défense. Non. Ah, elle est là. Ok, si, elle est pas mal jouée, c'est bien ce que je pensais. Elle est quasi autant jouée que SLKR. En tout cas dans leur data. Wampa peut être pas mal, ok. Donc je vais test. Sachant que le mien est R3, donc normalement ça devrait être ok, j'espère. SLS, Grievous, Wampa, Night Sister et Malak. Ok. Voyons voir vite fait, il les a mode ou pas. Oh, full vitesse. Ok. Je sais pas si rapide que ça, Danny. Ouais. En vrai, attends, fais voir un truc. Il n'y a pas des modes de fou, je pense. C'est lui que je veux voir surtout là. Full santé. Dégâts critiques,
Ok, il a pas de vitesse. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez. Wampa. Ah non, il est que R2. Il a pas. Il a pas. Il est pas R3. Ce sera pour la prochaine. Bah normalement, je crois que c'est le plus rapide le mien, non? Je pense que c'est le plus rapide. Normalement, j'espère. Ok. Ok. Tu... Laisse-moi jouer, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, fou. C'est ça, hein. C'est pas ça. J'ai jamais niqué. Ah non. Ok. Ouh. Oh la vache, j'ai eu peur. Ok. Ouh. Faut que je le tue. Faut que je tue l'exécuteur en fait. Voilà. Bon, le, du coup, le Wampa a largement fait le café content. Ouh, j'ai peur. Oh la vache. Par contre, étonnant que. Ah oui, mais c'est lui, c'est à cause de l'Omicron de l'autre là. Ok. Ici. En vrai, on va partir premier arch, je pense. Fais voir vite fait les modes, je pense pas qu'ils soient. Ah, quoique. Ah non. Ok, j'allais dire, je pensais qu'il était plutôt bien mode parce qu'il avait fait les Raven, mais ça a pas l'air d'être le cas. Ah oui, d'accord. Est-ce que je mettrais pas juste Savage du coup? Ça peut peut-être être. Peut-être être cool. Après, il y a d'autres personnes. Oh la vache. Pas ça, hein. Elle normalement elle a 0 speed 81 000 de protection. En vrai j'ai bien envie de mettre Savage tout seul, mais il est pas fou fou mon Savage. J'ai pas. Je suis pas allé chercher à proprement parler, c'est. Bon déjà il est pas relique. Et je suis pas allé chercher ses substats. Qu'est-ce que je fais? Attendez, voyons voir. Il me semble que Ancienne République est une team pas mal jouée, pas autant que Phasma, mais qui est pas mal mis en défense en tout cas. Voilà, c'est là. Carson aussi. Wampa ou Kylo Ren. Le problème c'est que mon Kylo Ren n'a pas le setup. Et je crois pas qu'il soit super bien mode. Ouais. Bon vas-y, on va partir comme ça, tant pis. Alors, celle que j'ai bien envie de buter, c'est elle. Merci. Hop, ton stun. Lâcher le Zelda. Bah ouais. Je pense en vrai. Je pense qu'il y a moyen que mon savez, j'aurais pu réussir. Hein. Bah, c'était de l'overkill. C'est clairement de l'overkill. Bon, cette fois c'est vaisseau. On va voir ça pour plus tard. Là, on va voir en bas.
Est-ce qu'il les a mod? Après, il y a pas Rex, tu me diras. Ouais, non, c'est... il a mis ce qu'il avait, quoi. En haut, par contre, fais voir. Putain, il a mis le... Ok, il en a mis un. Ouais, non, il a mis que les mods qu'il avait un peu partout, quoi. Il a gardé sûrement pour Revan, les Revan, CLS, peut-être Grievous. Faudrait voir. Du coup... J'ai pas une petite team là à mettre. On va mettre une team Empire. D'ailleurs, vous avez la musique depuis quelque temps. Du jeu, je veux dire. Tac. Là, j'ai bien envie de mettre lui et lui. Le short trooper pour avoir le taunt directement, éviter que mon Vador se fasse défoncer au cas où. Throne pour la fracture et pas avoir de tank en face et le reste full dégâts. Hop. Je me souviens plus ce qu'elle fait à Minimando. Trône est vraiment incroyable avec la dorge trône. Bon, en vrai, je veux pas. C'est marrant quand même, il fait quand même vachement mal le pilote, je trouve. Ok, l'unité, ça c'est cool. Toi, tu meurs. Toi aussi. Tu vas mourir. Oh, il a attaqué deux fois. Ok. Phoenix. J'ai bien envie de garder ma BH parce qu'au cas où il y a un JKR derrière, c'est sa team la plus élevée comparée. Bah, de toute façon, je crois pas qu'il est. S'il a forcément une team Dark Revan, en tout cas un. Une petite. En vrai, je pense que je vais les garder. Le truc, c'est que s'il y a les géonosiens derrière, j'ai pas pensé à vérifier. Faut que je aille voir. S'il met des géonosiens derrière, les soldats sont les meilleurs pour counter les géonosiens comparés à Bounty Hunter. Mais. Alors attends. Jedi. Il n'y a pas de vrai team. D'ailleurs, marrant qu'il ait monté Yoda Ermite avant de monter Grand Maître Yoda. Bon, ok, même si AJKR c'est bon et Empire Sith, tu vois. Ok, bon, dans tous les cas, je suis ok. Donc je vais mettre ma BH. Ok. J'ai pas pensé à avoir les géonosiens, mais c'est pas trop grave. Il me semble pas que j'ai des... J'ai pas de perso qui peut... Ah si, j'ai Savage. De souvenir, ils mettent pas l'anti-heal en face. Hein. Et je crois pas qu'il soit bien. Vas-y, on va tester. Avec un peu de chance, ça me fera deux combats full solo, ça devrait aller. Je pense pas qu'il puisse finir en tout cas de mon côté aussi. D'ailleurs, ça c'est l'arène de Jedi Fallen Order. Vraiment trop bien cette arène. Le combat était vraiment cool. Bon, faut que je la tue. Par contre, en vrai, on va mettre une micro. Voyons voir. Ok,
Je suis en train de me dire que j'aurais jamais dû. J'avais pas vu, mais Kanan il a son Zeta. Et en gros, de souvenir, le Zeta clean se remet de la protection. Et je suis pas sûr, mais je crois qu'il. Ah, je pense que je vais abandonner. Hein. Dommage. En vrai j'y arrive, mais bon, 1 minute 30 pour arriver au bout de la protection de Kanan qui va se remettre qui va se remettre 70% protection, je suis en mode Non mais, ah ouais, ouais bon. On va mettre les berges. En vrai, j'aurais dû le garder pour après. C'est pas trop grave parce que j'ai réussi à faire un truc, c'était qui du plus. Mais c'est sûr que ça aurait été mieux. Mais bon. Du coup. Là parfait. Qu'est-ce qu'il est en train de se faire? Parfait. Bon ça va, en vrai je pense que c'est le plus gros perso que j'ai monté qui m'a servi à rien en vrai. Bon bah au final ça c'était ok. Non c'est pas lui. Tac et il est où là? Allez. Alors, sur lui, en vrai c'est lui que j'aurais dû viser, je suis trop, Surtout qu'il a ses deux états. Ah, j'aurais dû le mettre sur Bosk. Ok. Putain, c'est là où tu vois quand même que quand il a un bon modage, boss, qu'il prend beaucoup moins cher. Hein. Parce que le mien, je sais pas si vous vous rappelez de certaines GA, mais. Mon boss Relic 5 modé à peu près correctement, même avec le buff d'immunité, il était largement ok. Hein. Il faisait le taf de fou. Ça c'est quoi? C'est le radius du coup, c'est pas le Roman. Ah si, c'est le Roman. Ok. Alors, là je vais prendre celui-là. D'ailleurs en vrai, vu que j'ai l'exécuteur, ce qui va se passer c'est que je vais arrêter de prendre le malveillant, je vais prendre le négociateur. Et je vais monter le malveillant. En tout cas, c'est compétence parce que en gros, le temps que je puisse up l'exécuteur 6 étoiles, ça va prendre un peu de temps. Donc du coup, je vais finir de monter le valiant. En vrai, il reste quasi rien pour le finir. Et du coup, le reste, je garderai pour l'exécuteur au fur et à mesure. Ça me permettra d'avoir une très bonne flotte en défense et une très bonne flotte en attaque. Voilà. Donc du coup, Géonosien. Ça, ça et... Pourquoi? Ah oui.
J'allais dire pourquoi j'ai le vaisseau, pourquoi j'ai les taxis. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Anakin, ça fait non, Anakin. Allez, voilà. Voilà. Ah, il a peut-être forcé. Bon, bah, je vais. Ah, il n'y a pas eu double vaisseau. Higgs, ouais. Ah mais ils ont zéro Ok. D'ailleurs il faudrait que je farme la hyène aussi pour être bien. Et après bah ça passera tout seul quoi. La plupart des attaques en tout cas. Je mettrai la hyène, le vautour et le soldat ou l'espion, je me souviens plus. Puis en renfort, du coup, le vaisseau de Zanfak et tout le reste, et puis je pense que ça devrait aller. Donc voilà, full clear. 1047, c'est pas le plus haut, mais franchement, c'est bien sorti. Maintenant, il faudrait voir ce qu'il va faire, parce que bah il a quand même une team JKR, Dark Raven, CLS, etc. Et il a un C3PO, donc à mon avis, sa team CLS est quand même bien. Maintenant, est-ce qu'il passera la première? Je sais pas. Sûr à 100%, les Phoenix, il passe pas. Il passera la FO. Sûrement les Géonosiens, s'il met sa team Empire et qu'elle est plutôt bien mode. Mais sinon, ouais, il passe pas. Hein. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.